Cléopâtre, reine d'Égypte, femme puissante, femme fatale, femme trahie. Née en Égypte, fille du pharaon, elle épouse son frère pour sauver la dynastie. Mais elle est bien plus que la reine d'un royaume en déclin. Elle est une stratège politique, une diplomate hors pair, une séductrice redoutable. Jules César, Marc-Antoine, tous deux succombent à son charme. Mais son amour est sa faiblesse. Les Romains exploitent sa relation avec Marc-Antoine pour la détruire. Vaincue, trahie, elle préfère la mort à la captivité. Son suicide est un acte de courage et de dignité. Cléopâtre est une icône, un symbole de force et de résilience. Son histoire inspire les femmes du monde entier. Cette femme capable d'ensorceler César en un regard est-elle vraiment une incroyable beauté, comme l'affirme la croyance populaire? Elle est beaucoup. Abonnez-vous pour les histoires vraies.